Son pire défaut? Ce serait qu'il mange toute ma nourriture. On a bien réparti en sacs individuels, du coup il touchera pas à mes sacs. Ah, il peut parler beaucoup par moment quand même. Ouais. Mais bon, ça anime, hein. C'est plutôt chouette hein, parce que sur le bateau il y a l'air des longueurs. Hein. Et ben, on sent bien, ouais. On est super content. Fais tomber celui-là. Un peu de stress, un peu de pression, on pourrait même plus du côté du résultat, de bien faire et tout ça. Maintenant, au niveau de la préparation, de ce qu'on sait faire, là-dessus, ça, c'est pas routinier, mais pas loin. Donc, on a fait suffisamment de milles, on s'est suffisamment entraîné pour pas avoir peur. Je dirais que moi, j'ai plus peur là maintenant, au départ du ponton, il y a tout le monde, on a un peu la gorge aux prises, mais voilà, une fois qu'on a quitté le ponton, c'est parti, hein, on sait ce qu'on a à faire. On a envie de faire une belle course et un beau parcours pour le partenaire. Ça dure longtemps quand même, hein, 20 jours, donc un des trucs principaux c'est déjà qu'on passe une belle transat humainement et tout ça, enfin qu'on vive un truc, une belle aventure. Après il y aura le sportif, mais ça c'est quasiment derrière. Je pense que j'aurais envie de le balancer par-dessus bord. Faut qu'elle arrive très 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 tard, sinon... Il peut y avoir des problèmes. Quand on va arriver aux Antilles, il y aura plein de sargasses dans la quille et qu'il faudra descendre pour aller les enlever. Donc il a le temps avant de sauter, j'espère. On a fait quoi, 5 jours, 6 jours ensemble, donc déjà c'était bon, donc peut-être à partir du 7e. On verra. Il est temps qu'on soit sur la ligne, il est temps qu'on soit en train de naviguer, de se prendre un peu d'eau salée dans la tronche et puis y aller, ouais. 3, 2, 1. Il est un petit peu plus soutenu, mais c'est des conditions qu'on aime bien. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable ni confortable, mais ça fait partie du jeu, surtout quand on navigue en Bretagne.